Bonjour mes petites étoiles. Alors, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de surprises et je me surprends moi-même. Nous voici en plein milieu de campagne pour une vidéo un petit peu particulière. J'ai été appelée ce matin à sortir de chez moi et à aller marcher en pleine campagne. Faire ce que je faisais il y a quelques années. Tous les matins, j'allais courir, j'allais marcher, enfin, je faisais du sport tous les jours. Et là, depuis plusieurs mois, plusieurs années, je me suis oubliée. J'ai traversé un chagrin d'amour qui m'a éteint, qui m'a. Comment vous dire? Oui, je me suis abandonnée en fait, c'est-à-dire que j'ai laissé mon corps en dérive, tout simplement. J'avais plus envie de plaire, j'avais plus envie, je me suis fait une carapace, j'ai pris beaucoup de poids, mes petites étoiles, certainement une vingtaine de kilos, j'ose même pas monter sur la balance. Mais aujourd'hui, j'ai eu une prise de conscience, on est le 24 janvier, nouvelle lune. Du reste, en face, je ne sais pas si vous voyez le petit point lumineux sur la vidéo, c'est le soleil. Je suis en face du soleil, au milieu des champs. Et ce matin, j'ai eu mon guide, mon ange gardien, ma conscience, la connexion à la source qui m'a dit, bon allez, maintenant ça suffit, Angel. Tu rebondis, tu sors de ta carapace, tu ouvres ton cœur, tu t'ouvres au bonheur et tu vas retrouver, je vais retrouver, tu vas retrouver ta silhouette. J'ai décidé de me retrouver aujourd'hui, en cette nouvelle lune du 24 janvier. J'ai décidé, mes petites étoiles, de me retrouver. J'ai beaucoup travaillé intérieurement. J'ai une connexion, vous le voyez bien, vous le sentez. Mais j'ai mis de côté pas mon bien-être, mais voilà, je me suis focalisée sur autre chose, sur ma chaîne, sur m'en sortir financièrement, parce que j'étais au plus bas. Aujourd'hui, grâce à vous, je revis financièrement et merci, grâce à Dieu et grâce à vous. Mais maintenant, c'est le temps, on me dit, de prendre soin de mon corps et de me retrouver, de perdre tous ces kilos que j'ai pris rapidement, en quelques mois, en une année, on va dire une année et demie. Exactement, oui, puisque c'était depuis août, pas ce août-là, mais août 2018. Donc oui, en effet, il est temps que je me réveille. Et je vous fais cette vidéo parce que je sens et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Je traverse des épreuves comme tout le monde. Si je les traverse, et si j'ai traversé toutes ces épreuves, mes petites étoiles, tout simplement, c'est pour pouvoir vous guider et vous aider et savoir ce que vous ressentez, comprendre ce que vous ressentez. Et donc c'est une vidéo de blabla, hein. Après ça plaît ou ça plaît pas, si vous voulez pas de blabla, vous passez votre chemin. Moi je parle à mes petites étoiles avec mon cœur. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous apportera du bien-être, une prise de conscience, un déclic comme j'ai eu ce matin. Et figurez-vous que donc mon ange gardien me dit, allez hop, Angèle, tu remets tes baskets, tu reprends les bonnes habitudes, tu vas faire du sport tous les matins, tu vas t'obliger à aller marcher, courir. Alors courir pour l'instant c'est pas possible. Parce qu'avec mes 20 kilos de trop, enfin j'imagine que pour mes. Enfin vous imaginez bien que pour mes articulations, mes genoux, mes pieds, mes chevilles, c'est pas bon. Je vous fais un petit tour d'horizon. Alors j'ai pas mon trépied, regardez. C'est le village où j'habite. Et voilà, je vous montre un petit peu l'environnement. Et j'espère que vous n'allez pas avoir le tournis ni le mal de mer. J'essaie d'aller doucement. Voilà, donc je suis sur un chemin semi-privatif, hein, parce qu'il est fermé, il est réservé aux habitants. Il y a une barrière, donc je me sens en sécurité. Voilà, parce qu'on est quand même. Il y a une brume. Je ne sais pas si vous voyez la brume. C'est comme une. On entend les cloches. Vous entendez? Ouais. Je vous laisse écouter. Il y a un silence et on entend les cloches, c'est magnifique. Regardez cette luminosité qui est en train de se lever là avec le soleil. Il faisait très, pas sombre, mais brumeux. Et là, depuis que j'ai commencé la vidéo, le soleil se lève, la brume s'enlève, se part. Enfin, une luminosité incroyable.
Donc j'étais en train de vous dire que je vous partage cette vidéo parce que je sens qu'il y a certainement des petites étoiles comme moi qui ont du poids à perdre, qui ont des kilos émotionnels, qui se sont laissées envahir par cette graisse qui est en fait une carapace, hein, tout simplement, qui a fait que je voulais pas que les hommes s'approchent de moi. Et ça n'a pas marché. Hein. Malgré mon poids, j'ai quand même eu des prétendants, etc., etc. Bon, bref, on va passer là-dessus. Mais aujourd'hui, voilà, on m'a dit, j'ai ressenti le besoin de renaître. Donc, mon ange gardien m'a dit, allez, Angèle, tu prends tes baskets, tu mets un jogging. En sachant que comme j'ai pris beaucoup de poids, mes joggings sont un peu petits, même trop petits. Parce que j'étais très sportive, je faisais du sport tous les jours, tous les matins, enfin j'étais une grande sportive et ça me manque, vous voyez, j'ai besoin de me retrouver. Aujourd'hui avec vous, aujourd'hui c'est un nouveau départ et je décide vraiment de le faire avec vous parce que je sens que ça va motiver certaines petites étoiles qui sont dans le même cas que moi. Donc avec cette nouvelle lune du 24 janvier, je suis là pour vous tenir la main, pour vous dire, allez, on se bouge, on se motive, on se fait violence, on sort de chez soi, on prend un nouveau chemin, d'accord ? Un nouveau chemin qui nous mène vers le soleil, vers le bonheur, se retrouver, parce que quand on a des kilos en trop, on n'est pas bien, on se sent pas bien, on n'est pas bien dans sa peau. On ne peut pas s'habiller comme on le souhaiterait, il y a le regard des autres, enfin voilà. Donc, aujourd'hui, mon ange gardien me dit, Angèle, tu prends tes baskets, ton jogging. Et moi, je me suis dit, mais attends, t'es mignon, mon ange gardien. J'ai pas de jogging qui me vont. Et on me dit, si, regarde bien. Et je regarde dans ma chambre. Et je vous assure que c'est vrai, mes petites étoiles, j'en ai parlé à ma fille. Elle me dit, mais c'est pas possible, ça vient d'où ? Je regarde dans un coin de ma chambre où je mets mes affaires de sport et je tombe sur un sweat noir et dessus je vois une écriture. Mais je me dis, mais ce sweat, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, il n'est pas à moi, j'ai jamais acheté ça, je m'en souviens pas. Et je regarde sur le sweat et sur le sweat, vous savez ce qu'il y a écrit ? Il y a écrit Australie. Et là, je me suis dit, non, mais attends, l'Australie, avec ce qui se passe en ce moment, je vous assure, je vous jure sur ma tête que je me suis dit, non, mais c'est incroyable. J'ai un sweat à ma taille, donc en XL, enfin, je ne vais pas regarder la taille, mais qui me va parfaitement, tout neuf, que je n'ai jamais mis, que je n'ai jamais vu, avec écrit Australie dessus. Waouh ! Comment vous dire ? Je l'ai pris, je l'ai mis. Il me va parfaitement, il me tient chaud, il fait zéro certainement, il fait très froid, je ne sais pas si vous voyez avec la brume. Mais c'est agréable, vous voyez, il y a une luminosité, regardez ce beau soleil, cette luminosité avec ses champs, la terre Gaïa. Et je vous assure qu'il y a des bonnes vibes, il y a des bonnes vibrations, c'est vraiment magique, vraiment. Je me sens bien, je me retrouve seule avec moi-même et avec vous, avec mon ange gardien qui me protège, avec la source divine. Et ce sweat, je vous assure mes petites étoiles, je ne l'ai pas acheté, je ne m'en souviens pas en tous les cas, ça c'est certain. Il est tout neuf, je ne l'ai jamais mis et dessus il y a écrit Australie. Là j'ai eu un flash, on m'a dit ok tu mets ça, tu mets ton, j'ai un bas de pantalon, de jogging et tout, j'ai enfilé ça. Et j'ai mis une vieille doudoune et là je suis au milieu des champs et je me sens bien, j'ai chaud, j'ai pas froid grâce à ce gros sweat. Mais je vous jure, c'est un vrai bonheur. Et on m'a dit, Angèle, tu pars pas comme ça marcher sans penser à tes petites étoiles. Parce que ils ont besoin d'être guidés. Et on me dit, allez, tu prends ton téléphone, t'as pas besoin de 36 matériels. J'ai pas de trépied, hein, j'ai juste mes mains, mon téléphone. J'ai mes tennis, mon sweat avec écrit Australie. Hein, avec ce qui se passe en ce moment, j'ai une grosse pensée avec l'Australie, vraiment. J'espère que ça va s'arranger, mais pour moi, c'est un message d'espoir que sur ce sweat, il y a écrit Australie en blanc. J'ai pris avec moi
Avant de partir, j'ai tiré des cartes. J'ai pris trois cartes. Donc, les trois cartes, je vous assure, je ne les ai pas choisies. Hein. J'ai joué le jeu avec mon ange gardien. Et j'ai tiré une carte de mon oracle, l'étoile du soleil. Et regardez ce qu'on a comme carte. On a le printemps, la renaissance. Et je n'ai pas triché. Donc là, aujourd'hui, en nouvelle lune du 24 janvier 2020, c'est la renaissance, c'est ma renaissance, c'est votre renaissance, mes petites étoiles. On décide aujourd'hui, je décide aujourd'hui de renaître. Pour certains et certaines, vraiment, vous allez sentir l'énergie de cette nouvelle lune. Regardez ce soleil juste qui est au-dessus de ma carte. Le même point, la même grandeur, la même luminosité avec la campagne, la terre Gaïa. C'est la renaissance, mes petites étoiles. La renaissance. C'est vraiment juste magique. L'univers est vraiment très fort. Merci l'univers, merci Maman Marie, merci Jésus. Merci, merci, merci à mes anges gardiens, à tous les archanges et les anges. Regardez cette connexion qu'il y a avec ma carte. C'est incroyable. Donc ça, c'est la renaissance. Le bourgeon de cette plante, de cet arbre qui renaît, qui fleurit, enfin qui y a le feuillage qui sort, c'est vraiment juste magique. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est vraiment ma renaissance que je commence avec vous. Je vais m'occuper de mon corps et voilà. Donc je suis ravie de vous le partager. Il y a la carte numéro 74, donc c'est certainement une date de naissance, un signe pour vous. Si on additionne, ça fait 11, donc c'est bien divin, c'est bien la source divine qui nous donne ce message. Ensuite, vous voulez certainement savoir quelles sont les deux autres cartes. J'ai pris l'oracle de la vibration des anges. Donc deux autres cartes. Alors attendez, j'essaie de ne pas faire tomber le téléphone, ça serait dommage. Et j'essaie de vous les passer l'une après l'autre. J'ai l'ange de la miséricorde. Regardez comme c'est beau, cette lumière. Avec cette colombe, c'est la paix. Vous allez retrouver l'amour, l'espérance. Gardez l'espérance, mes petites étoiles. Regardez l'ange de la miséricorde. On parle d'amour, d'espérance, de paix, de lumière. C'est juste magique. C'est magnifique. Regardez cette vibration qui sort de cette carte. C'est magique. Regardez. Voilà. Et en troisième carte, donc là, c'était la carte 13. Donc 13 pour moi c'est le porte-bonheur, vraiment. Aujourd'hui commence une nouvelle vie, je commence une nouvelle vie, je me retrouve, je renais de mes cendres. Et vous c'est pareil, il y a une renaissance. Alors, ensuite on a l'ange du cœur de la vie, regardez comme c'est beau. Carte 39, c'est peut-être votre âge, en tous les cas c'est... l'ange du cœur de la vie. Nourriture intérieure, plénitude. Donc, on vous dit que vous allez être nourri de l'intérieur. Vous allez retrouver une plénitude. Vous avez une connexion avec l'univers. Vous avez le chakra du cœur qui est en train de s'ouvrir. D'accord ? Il y a vraiment quelque chose de beau. On parle de nourriture. Alors, ça va avec le sport. Ça va avec la prise de conscience de bouger son corps pour aller mieux. Pour avoir de l'énergie, on vous dit de faire attention à votre nourriture, chose que je dois faire aussi. Voilà. Alors j'espère que ces cartes vous parlent et vous ont fait du bien. En tous les cas, je les sens, elles sont vraiment, il y a vraiment une belle vibration avec ces anges. C'est magnifique, vraiment. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre à vous aujourd'hui, mes petites étoiles. À nous, avec cette vibration de nouvelle lune. Vraiment. Donc, je vais avancer un petit peu. Alors, ça va bouger parce que j'ai pas de matériel. J'avance avec vous sur le chemin, comme je fais depuis le 14 juillet 2019. J'avance grâce à vous, mes petites étoiles. Vous m'apportez beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, on avance ensemble. Regardez comme c'est beau cette campagne, cette terre Gaïa. La brume qui se lève, c'est juste magique. Regardez.
Alors, observez bien parce que certainement je ne les vois pas, mais il y a certainement des anges, des êtres de lumière autour de nous, à travers cette brume qui se lève tout doucement, ce calme, cette lumière, regardez le soleil. Donc ça y est, voilà, on avance sur le chemin, un nouveau chemin, c'est la nouvelle lune, c'est le moment de faire... Alors c'est incroyable, je vois des silhouettes depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer d'agrandir. Tout à l'heure en avançant, je me suis dit, mais c'est des arbres ou c'est des silhouettes? Moi, je vois trois arbres à droite et une silhouette à gauche. C'est des arbres, hein. Mais pour moi, ça me parle de triangulaire, une quatrième personne. Vous marchez seul, vous voyez, comme cet arbre-là, à gauche. Certainement qu'il y a trois personnes qui vous observent marcher, qui se demandent qu'est-ce que vous devenez, qu'est-ce que vous faites. Voilà. Aujourd'hui, c'est la pleine lune, la nouvelle lune. Donc, on vous parle de plénitude, de paix, d'amour, de renaissance. C'est le moment, mes petites étoiles, de faire votre chèque d'abondance. Vous en trouvez sur Internet, hein, vous pouvez l'imprimer et faire un chèque d'abondance à l'univers. Voilà, l'univers vous apportera la prospérité, l'abondance. J'espère que ça vous fait plaisir, cette petite vidéo. Voilà, donc c'est pas une grande vidéo, c'est juste un petit moment avec vous, mes petites étoiles, que je partage avec tout mon cœur. J'espère que ça tremble pas trop, je m'en rends pas compte, mais si, sûrement, parce que quand on marche, ça tremble. C'est pour ça que je vais arrêter de marcher comme ça, parce que sinon ça va vous donner le mal de mer. En tous les cas, voilà, je suis heureuse de partager ce moment avec vous. J'espère que ça vous aidera aussi à vous relever, à vous bouger et à décider d'avancer. Vraiment, regardez ce soleil. Voilà, donc la nouvelle lune, c'est le moment de méditer, de vous retrouver. Il y a un changement qui s'amorce, la preuve, moi j'en ai un qui s'amorce, une prise de conscience. Et voilà, donc faites des méditations, il y en a plein sur YouTube, gratuites. Et détendez-vous. C'est le moment vraiment d'un renouveau pour vous. En tous les cas, moi, ça a enclenché, ça y est. Et j'ai eu... des idées qui sont venues dans ma conscience grâce à mon ange gardien. Et depuis ce matin, voilà. Alors, je voulais avoir votre avis parce que ça m'est venu comme ça et c'était pas prévu. Suite, 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 suite. Suite en anglais, ça veut dire, je sais plus, je crois que c'est rêve. Non, c'est. Oh, je suis nulle en anglais. En tous les cas, il y a le sweet sur moi avec l'Australie. Donc pour moi, ils vont retrouver la paix, une renaissance. Hein. C'est vraiment dramatique ce qui se passe, mais je prie pour eux. Et là, c'est un gros signe de l'univers. Donc mon idée, ma nouvelle idée, mon nouveau projet qui m'est venu ce matin, et vous allez me donner votre avis, c'est que bah voilà, j'ai trouvé ce sweet. Je vous assure que c'est vrai, c'est incroyable. Et j'ai mis sur ce sweat parce qu'il y avait des petites, vous savez, des cordons pour une capuche, parce qu'il y a une capuche. Mais en le prenant, j'ai remarqué que les petits cordons s'en allaient, vous savez, dans le trou là qui remonte, enfin dans le la, comment on appelle ça? Vous savez où il y a le cordon, quoi. Ça remontait et on perd le bout. Et j'ai dit, bah, je vais mettre des perles. Du coup, j'ai été dans mes perles et j'ai trouvé, et j'avais des perles que je ne pouvais pas utiliser parce que le trou était trop large. Et là, j'ai compris, j'ai dit, allez hop, je mets ces perles-là sur ces cordons. Et on m'a dit, mais Angèle, tu peux faire des vêtements énergétiques, tu peux faire des vêtements Angèle Lumière Divine pour tes petites étoiles, pour les motiver, pour qu'ils portent comme toi un peu de toi, pour être avec elles. Quand elles font du sport, quand elles vont marcher dans la campagne. Et donc voilà, je voulais votre avis. Je vais sûrement, et ça vient dans ma conscience, de créer une ligne de, pas de vêtements, mais de,
de sweats, de gilets, de chaussures sportives pour vous accompagner tout au long de votre comment dire, de vos balades en campagne comme je fais là, pendant votre sport, avoir un peu de moi autour de vous, d'accord? Voilà, je voulais avoir votre avis et je pense que c'est une bonne idée. Donc je vais le faire, je vais voir, je vais potasser ça. J'ai beaucoup beaucoup d'idées qui me viennent. J'ai mon livre qu'il faut que je continue, j'ai un oracle que je dois aussi terminer. J'ai énormément de projets. Regardez cette terre Gaïa, comme c'est beau. L'énergie que ça dégage. Cette luminosité, ça y est, la brume se lève. Vous y voyez plus clair, moi aussi. Vous allez y voir plus clair, de plus en plus. Voilà, regardez ce soleil. Vous allez y voir de plus en plus clair sur votre chemin, sur votre vie. Hein, grâce à l'univers et à cette nouvelle lune. C'est vraiment magique. Voilà, donc je voulais partager ce moment avec vous. Mon idée qui m'est venue ce matin, qu'on m'a mis dans ma conscience, qu'on m'a fait comprendre. Avec ce sweat Australie. C'est juste incroyable. J'en ai parlé à ma fille. Je lui ai dit, tu te rends compte, j'ai trouvé ça dans ma chambre. Je te jure, je ne l'ai pas acheté. Je ne sais pas d'où il vient. Avec écrit Australie, avec ce qui se passe en ce moment. Elle me dit, mais maman, tu y viens d'où? C'est pas possible. Je lui ai dit, mais si, je t'assure. Et je vous assure que je me souviens pas avoir acheté ce sweat. Incroyable. Je ne l'ai jamais porté. Regardez cette luminosité. Il y a un avion, ça parle de voyage. Regardez. Non, c'est magique. J'aime ma campagne, j'aime l'univers, j'aime les synchronicités divines, les surprises divines que j'ai tout le temps sur mon chemin. Je vous assure, hein, c'est pour ça que je suis en train d'écrire un livre, parce que j'ai tellement d'anecdotes, de choses magiques qui m'arrivent tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Donc gardez espoir mes petites étoiles, aujourd'hui c'est le 24 janvier, nouvelle lune. Cette vidéo pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, que vous allez prendre le bon chemin, que c'est le moment, regardez, le soleil revient. La brume s'en va, la lumière est sur moi, sur vous, sur cette vidéo. Et regardez comme c'est beau. Regardez cette nature qui se réveille, qui brille avec ce soleil. La terre Gaïa, c'est des bonnes vibrations, vraiment. J'espère que je vous les partage, que vous les sentez. Regardez, c'est magique. Magique, magique, magique. Je vous envoie plein de soleil, plein de bonnes vibes, plein de bonnes vibrations. C'est magique. Voilà, donc moi je vais continuer mon petit chemin, d'accord, mon grand chemin, ma balade du matin pour bouger, pour avoir les bonnes énergies de la Terre Gaïa. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite mes petites étoiles. Et donnez-moi votre avis par rapport à mon idée. Merci.